des écologistes veulent rebaptiser les journées du patrimoine « Journée du matrimoine ». Le scan politique, au nom de l'égalité homme-femme, le groupe Europe Écologie Les Verts du Conseil de Paris, a proposé de renommer les journées du patrimoine. Enquête France Info. Les bonnes affaires d'anciens députés, qui ont acheté leur permanence avec des fonds publics. J'ai fait une connerie en vous parlant. Après plusieurs minutes d'entretien, cet ex-député s'agite. En repensant à ses réponses, il prend peur d'apparaître comme un voyou auprès des gens modestes de sa circonscription. « Je n'ai pas envie de détruire ma vie politique, j'ai une certaine image », soutient-il. Il finit par supplier de ne pas être nommé. Pas l'intention d'assumer en public le financement, sur ses frais de mandat parlementaire, de son ancienne permanence, restée depuis dans son patrimoine personnel. Dans la Vienne, la justice tranche pour le maintien de la croix d'un cimetière. C'est la fin d'un long feuilleton judiciaire. Le tribunal administratif de Poitiers a validé ce jeudi le maintien d'une croix sur le portail du cimetière municipal de Princey, dans la Vienne, contesté depuis plusieurs années par le fils d'un habitant du village qui y est enterré. Najah Vallaud-Belkacem candidate à la tête du Parti Socialiste, en pleine reconstruction après les déroutes de l'élection présidentielle et des législatives, le Parti Socialiste cherche le successeur de Jean-Christophe Cambadélis. Et selon le Figaro, les regards au PS se tournent vers Najah Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale.